Bienvenue, brigadier. C'est tes premiers pas dans la VR, donc tu fais gaffe, c'est du matos tout neuf. Normalement, on a toute une formation, mais là, on est pressé, la marée va effacer la scène de crime dans 20 minutes. Le commissaire Ludovic Béguin est déjà sur place, il va te parler en visio-holographique. Tu prends les lunettes VR, j'ai chargé la scène de crime dessus. On est d'accord que les lunettes fonctionnent mieux si tu les mets sur terre? Je lance le lien avec l'équipe sur la plage de Corsen. Ludo va prendre le relais et te briefer sur la suite. Hé, brigadier, fais gaffe à pas te cogner cette fois. Ah, ok, commissaire Ludovic Béguin. Est-ce que tu me vois? Ouais, tu me vois? Super. Tu m'entends? Parfait. Ok, je suis actuellement sur une scène de crime, plage de Corsen. Une jeune femme retrouvée morte. Je vais avoir besoin de ton aide parce que c'est la marée montante. Et le problème, c'est que d'ici 20 minutes maximum, toute ma scène de crime va se retrouver sous l'eau. Donc, j'ai absolument besoin que tu vérifies dans la salle VR si je ne suis pas passé à côté d'un détail, s'il n'y a pas un truc qui nous a échappé. D'accord? C'est la première fois pour toi dans la VR? Bon, de toute façon, il n'y avait personne d'autre de dispo. Bon, on va démarrer. Bon, je te rappelle les bases que tu dois connaître, évidemment. Ça, c'est les limites de ta zone d'enquête. Je te conseille d'éviter de courir dedans ou d'essayer de franchir cette limite parce que, crois-moi, ça fait mal. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on arrive sur une scène de crime, plein de petits drones comme celui-là, là, qui scannent la scène de crime sous tous les angles, ce qui te permet à toi, ensuite, de retourner sur la scène de crime dans une salle de réalité virtuelle. Bon, t'as compris que les drones, ils scannaient pas que la scène de crime, ils scannent aussi toutes les personnes qui étaient présentes sur la scène de crime. Ce qui veut dire que si tu vois les témoins discuter entre eux, tu peux aller écouter leur conversation. Bon, tout est virtuel, évidemment, hein. Tout. C'est-à-dire la plage, le décor, moi. Ce qui veut dire que rien n'est palpable. Si tu essayes de toucher quelque chose, tes mains vont passer à travers. Par exemple, ça, là, essaye de le prendre, ça. Essaye d'attraper ça. Bah, ça marche pas, parce que c'est pas palpable. Du coup, on a un petit scanner d'indices qui ressemble à un téléphone. C'est devant toi. Attrape-le. Ce couteau-là. Tu vois? Tu vois cette petite tache de sang qu'il y a sur le couteau? Scanne la tâche. Voilà. Super. Et moi, ça m'envoie toutes les informations. Donc là, par exemple, on aurait appris que ce sang-là sur le couteau, c'est du A+. Ok? Maintenant, t'as compris comment ça marche. Allez, on y va. Chargement de la scène de crime. 100%. C'est bon, la scène est prête. Ah bah voilà. Pas trop tôt. Bon, tu vas pouvoir découvrir toute la scène de crime dans son intégralité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la zone C, là où on a découvert le cadavre. D'accord? Donc il faut que tu cliques sur la zone C. Alors, en fait, il faut que tu utilises ta petite main et que tu cliques sur la zone C, truc qui ressemble. Est-ce qu'il y a des indices que tu peux scanner? Scanne les points qui te semblent importants pour récolter des indices. Ces empreintes ne sont pas sur le registre, on ne sait pas à qui elles appartiennent. En revanche, si tu en trouves d'autres, tu pourras peut-être les comparer à celles-ci. Bague. Fausse piste, rien à dire. Un paquet d'anxiolytiques prescrit au nom de Z. Lévy.
Des chaussures à talons hauts, pas très adaptées à une marche dans le sable. Le corps a de nombreuses marques d'impact, probablement dues au rocher. Ils sont vraisemblablement post-mortem. Ok, j'ai bien reçu les données. On a tout récupéré. Si tu regardes ta montre, le contrôle du temps s'affichera. Enfin, ta montre, sur ton poignet. Brigadier, fais-moi plaisir. Regarde ton poignet. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Si tu regardes ta montre, le contrôle du temps s'affichera. Enfin, ta montre, sur ton poignet. Brigadier, fais-moi plaisir. Regarde ton poignet. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Si tu regardes ta montre, le contrôle du temps s'affichera. Enfin, ta montre, sur ton poignet. Ah bah voilà. Bon, ta montre te permet de contrôler la timeline de la séquence. Tu peux avancer ou reculer dans le temps, mettre en pause ou en lecture. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Allez, j'espère que ça n'a pas été... Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. Purée, t'as massacré le château de sable. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Regarde, Ludo arrive. Pourquoi tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. Non, je l'adore, mais j'ai peur qu'il parte en vrille en venant sur cette plage. Tu sais, on... N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas au courant? Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, sa femme, Mélanie, je crois, est morte sur cette plage. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Il venait d'avoir une petite fille. Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. C'est dur, je n'imagine même pas ce que ça a pu. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. N'oublie pas que tu peux contrôler le temps. Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. Il me semble que j'ai vu les médecins légistes remplir le rapport. On y va. Ils n'ont pas encore amené au commissariat. Mais s'ils l'ont rempli sur la plage, alors les drones l'ont filmé. Ça doit être sur la timeline. T'as tout rempli. Ok, moi je suis sûr que je les ai vus le remplir sur la plage. Donc on doit l'avoir capturé en VR. Il n'y a plus qu'à le récupérer. Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. Brigadier, rappelle-toi que tu peux passer en avance rapide avec la timeline. Ok, moi je suis sûr que je les ai vus le remplir sur la plage. Donc on doit l'avoir capturé en VR. Il n'y a plus qu'à le récupérer. Tu peux avancer sur la séquence, je pense qu'on a manqué quelque chose. Brigadier, rappelle-toi que tu peux passer en avance rapide avec la timeline. Ouais, très bien. Qui met des talons. Ok, moi je... Regarde ces deux-là, j'ai l'impression qu'ils se disent quelque chose. Ça pourrait peut-être faire avancer le schmilblick. Je t'active un point de téléportation. Utilise ta gâchette pour t'y rendre. Allez, vas-y. Je viens de te débloquer un point de... Fais pas ton timide, va écouter ce qui se raconte. Est-ce qu'il y a des indices que tu peux scanner ? Scanne les points qui te semblent importants pour récolter des indices. Le rapport n'indique pas clairement la cause de la mort. Plusieurs hypothèses sont présentes. Rien ne permet de savoir si c'est un suicide, un accident ou une agression. Ok, maintenant on a le rapport. Il reste encore des indices à récupérer pour répondre à la première étape. Bon, bah là j'active des points de téléportation. Tu peux y aller. Qui est la victime ? Maintenant, il faut que tu combines les différentes preuves pour répondre. Touche un indice pour le sélectionner. Oui, avec la main. Allez, on y va. Sélectionne les indices qui te permettent de répondre à la question. Allez, allez.
Allez, on y va, sélectionne les indices qui te permettent de répondre à la question. Touche un indice pour le sélectionner. Oui, avec la main. Allez, on y va, sélectionne les indices qui te permettent de répondre à la question. Allez, allez. Allez, on y va, sélectionne les indices qui te permettent de répondre à la question. Touche un indice pour le sélectionner. Oui, avec la main. Allez, on y va, sélectionne les indices qui te permettent de répondre à la question. Ok, allez, allez. On y va. Allez, on y va, sélectionne les indices qui te permettent de répondre à la question. Touche un indice pour le sélectionner. Oui, avec la main. Ces empreintes sont pas sur le registre, on sait pas à qui elles appartiennent. En revanche, si t'en trouves d'autres, tu pourras peut-être les comparer à celles-ci. Bon, allez, on réfléchit un peu, là. Un indice n'a pas été trouvé. Ce serait parfait si tu daignais récolter des preuves. Pièce d'identité en piteux état. On arrive à peine à lire Z Lévy. On peut lire le dernier message envoyé par une certaine Anne-Laure Sista. Bah alors Zoé, tu fais quoi? T'es pas encore un rancard chelou sur la plage? Nous, on t'attend. Trois appels en absence, 23h, 1h, 3h du matin. Une pièce d'identité en piteux état. On arrive à peine à lire Z Lévy. Zoé Lévy. Voilà, c'est bien ça, Zoé Lévy. Maintenant, il faut savoir ce qu'elle faisait sur la plage. Et si on allait au bord de l'eau? Maintenant, il faut savoir ce qu'elle faisait sur la plage. Réponse possible, jogging, rendez-vous amoureux, rendez-vous professionnel, balade introspective, intention de suicide. Est-ce qu'il y a des indices que tu peux scanner? Le verre de champagne montre les mêmes empreintes digitales que celles retrouvées sur le médaillon. On peut aussi trouver des traces d'anxiolytiques. Dis-moi, t'aurais pas loupé un truc au début de la séquence? Scanne les points qui te semblent importants pour récolter des indices. N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est charmant. Clairement, ils se connaissaient. Z pour Zoé. Et N. Bah. N pour le prénom de la personne avec qui elle était. Bague. Fausse piste, rien à dire. Le verre de champagne montre les mêmes empreintes digitales que celles retrouvées sur le médaillon. On peut aussi trouver des traces d'anxiolytiques. Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. Je t'affiche les objectifs de mission. A. Identifier la victime. B. Que faisait-elle sur cette plage? Allez, au boulot. N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est charmant. Clairement, ils se connaissaient. Z pour Zoé et N. Bah. N pour le prénom de la personne avec qui elle était. Un paquet d'anxiolytiques prescrit au nom de Z Lévy.
Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. N, le corps a de nom. Essaye encore. On peut lire le dernier message envoyé par une certaine N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est charmant. Bon, allez, on réfléchit un peu, là. On peut lire le dernier... N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est... Essaye encore. N. Le verre de... Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. Le verre de... Essaye encore. N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est charmant. Clairement, ils se connaissaient. Z pour Zoé. Le verre de... Un des deux indices, c'est bon. Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. Le verre de champagne. Bon, allez, on réfléchit un peu, là. Choisis une combinaison d'indices qui permet de répondre à la... C'est... Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. Bague. Un des deux indices, c'est... Bague. Essaye encore. Une pièce d'identité. Bon, allez, on réfléchit un peu. Un paquet. Essaye encore. Je t'affiche tes objectifs de mission. A. Identifier la victime. B. Que faisait-elle sur cette plage? Allez, au boulot. N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est charmant. Clairement, ils se connaissaient. Z pour Zoé. On peut lire le dernier message envoyé. Bon, allez, on réfléchit. On peut lire le dernier. Bon, allez. On peut lire. Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. Le verre. Un des deux indices. Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. Une pièce d'idée. Un des deux indices. Un des deux. N. Un paquet d'anxiolytiques. Un des deux indices, c'est bon. On va y arriver. T'affiche tes objectifs de... On peut lire un paquet dans... Essaye encore. Mission. A. Identifier la victime. Des... Essaye encore. Un paquet d'anxio... Le corps a... Essaye encore. Un paquet d'anxiolytiques prescrit. Essaye encore. Une pièce d'identité... Bague. Essaye encore. B. Une pièce d'identité en piteux... Un paquet... Essaye encore. Que faisait-elle sur cette... On peut... Essaye encore. Le corps... Bague. Essaye encore. Cette plage. Allez, au boulot. N plus Z. C'est un peu niais, mais c'est charmant. Clairement, ils se connaissaient. Essaye encore. Et... Ses empreintes sont... Un des deux indices. Bon, allez, on réfléchit. Bon, allez, on... Essaye encore. Bon, allez, on réfléchit un peu, là. Choisis une combinaison d'indices qui permet de répondre à la question. N plus Z. Un des deux indices, c'est... N. Un des deux indices. Un des deux. Un des deux. Un des deux. Des chaussures à talons hauts. Pas très adaptées à une marche dans le sable. Ouais, c'est bien ça. Elle était venue sur cette plage pour un rendez-vous romantique. Merci, brigadier. Et bravo. Je pense qu'on a tous les éléments maintenant. On va pouvoir... Mélanie ? Mélanie ! Je m'appelle Mélanie Béguin, j'ai 28 ans. Et si vous regardez cette cassette, c'est que je suis morte. C'est Mel. Il y a eu un accident. Mélanie ? C'est vraiment toi. Il a dû se créer une sorte de vortex quelque part. C'est Marie. T'as un fils. Ça fait 27 ans que je suis morte. T'as refait ta vie, c'est normal. Je te laisserai pas mourir, je te le jure. Tu peux pas la sauver. Je crois que c'est que si on change le passé, je risque de perdre ma femme et mon fils. Tu vas me laisser mourir ?